Jesse Dokuiwo, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cela signifie que vous n'avez nullement besoin de chercher à l'extérieur de vous-même. Nul besoin de conquérir l'espace, d'aller sur la Lune ou sur Mars. Vous avez juste besoin de faire une chose, une petite chose, très simple mais pas facile. C'est de chercher à vous connaître vous-même, par vous-même, pour vous-même et surtout selon vous-même. Parce que depuis que vous êtes venu dans ce monde, vous avez passé votre vie à être défini par les autres, sans jamais avoir pris le temps de vous regarder vous-même, de regarder à l'intérieur de vous, pour premièrement étudier votre fonction, deuxièmement comprendre votre structure, et enfin troisièmement réussir à vous définir par vous-même. Qui dites-vous que vous êtes? Certains ont dit que vous étiez des mammifères, d'autres de la poussière qui retourne à la terre, d'autres encore de la poussière d'étoiles. Les religions nous ont dit que nous étions corps, âme et esprit. Nos parents nous ont dit que nous étions ci, et la société nous a dit que nous étions ça. Mais vous-même, que dites-vous de vous-même? Qui dites-vous que vous êtes vous-même? En vous étudiant sans a priori, sans jugement, et en dehors de tout paradigme, vous commencerez à voir à travers l'illusion de la vie que vous êtes à la fois antimatière, matière, énergie, espace et temps.